Regarde, petit frère. On dirait que nos robots se sont fabriqués un copain. Pas un, mais deux et même trois. Oh, génial! Ça nous fait 5 robots. On va pouvoir faire des super courses. Oui, mais ça veut dire qu'avec 3 robots, il faut 3 fois plus de piles. Avec 4, 4 fois plus. Et avec 5, 5 fois plus. Pas grave. Maintenant, on sait faire. On sait qu'on doit multiplier. Tu as raison. Voyons, combien de piles va-t-il nous falloir? Et si nous avons 1, 2, 3, 4, 5 robots? Alors, pour 3 robots, il nous faut... 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 et 30. C'est bien ça, il nous faut 30 piles. La table de 3, c'est facile. On ajoute 3 à chaque fois puisqu'il y a 3 robots. Une fois 3, ça fait 3, plus 3, 6, plus 3, 9, et ainsi de suite. Et pour 4 robots, on ajoute 4 à chaque fois. Oui, une fois 4, ça fait 4, plus 4, 8, plus 4, 12, plus 4, 16, et on continue jusqu'à 10 fois 4, qui sont aussi 36 plus 4, 40. Oui, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 et 40. Et avec 5 robots, tu vas voir, c'est encore plus facile à retenir. 5 fois 1, 5, 5 fois 2, 10, 5 fois 3, 15, 5 fois 4, 20, 5 fois 5, 25, 5 fois 6, 30, 5 fois 7, 35, 5 fois 8, 40, 5 fois 9, 45 et 5 fois 10, 50. Ah oui, parce que le résultat se termine toujours par 5 ou par 0. Regarde. On remarque aussi que 3 fois 4 est égal à 4 fois 3, 6 fois 3 à 3 fois 6, ou 5 fois 4 à 4 fois 5. Quel que soit le sens dans lequel on fait la multiplication, le résultat est toujours le même. Bon, tout ça c'est génial. Alors, maintenant qu'on a fait le plein de piles, prêt pour la grande course? Ouais, mais la prochaine fois on fait ça avec 9 robots, d'accord? D'accord. 5, 4, 3, 2, 1, partez!